بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعية الفوز تقدم لكم هذه السلسلة التي تعتمد على كتب المدينة التي تدرس في الجامعة بالمدينة المنورة من خلال سنتين. Donc l'association AMT Al-Fawz de Thiers, donc l'association musulmane de Thiers, vous présente donc cette série de cours qui est basée sur les livres de Médine qui sont enseignés à l'université de Médine, donc aux étudiants non arabophones durant une période de 2 ans. Mazina fil mustawa al-awwal, donc nous sommes toujours dans le premier niveau. Donc on est toujours dans la partie grammaire, durus al-lughat al-arabiyya. On a dit que le premier niveau est constitué de quatre parties, donc la grammaire, la lecture, l'expression et comment écrire en fait. Ra'ayna fi d-dars al-awwal ism al-ishara lil-qarib fi al-mudhakkar. Donc on a vu au premier cours le pronom démonstratif masculin pour désigner les choses proches. Hadha. Ra'ayna aydan kayfa تسأل عن شيء. Donc on a vu également comment poser les questions sur les choses proches, donc toujours au masculin. تقول مثلا ما هذا؟ هذا بيت. Donc qu'est-ce que c'est cette chose-là? C'est une maison. رأينا أن ما يستعمل في الأشياء وفي الحيوان. On a vu aussi que ما on l'utilise pour poser les questions concernant les choses et pour les animaux, car les animaux sont des êtres donc non doués d'intelligence. Ra'ayna kayfa tas'alu an al-ashkhas. Donc on a vu également comment poser les questions concernant les personnes. Taqul mathalan man hadha? Hadha tabibun. Donc qui est cette personne? C'est un docteur. Idan man تستعمل من للأشخاص وما للأشياء وللحيوانات. Donc on utilise من pour les personnes et ما pour les choses et les animaux. Sans plus attendre, nous passons donc à la deuxième leçon. إذا هذا الدرس يتكلم عن الأسماء الإشارة للبعيد. Donc ce cours-là parle en fait des pronoms démonstratifs pour désigner les choses qui sont loin, qui sont lointaines, toujours au masculin. ذلك هذا pour les choses proches masculin ذلك pour les choses moins toujours masculin ما ذلك ذلك نجم qu'est-ce que c'est cette chose au loin donc c'est une étoile هذا مسجد وذلك بيت donc هذا مسجد cette mosquée là qui est devant nous c'est une mosquée وذلك بيت et cette chose là-bas donc plusieurs dizaines de mètres voire centaines de mètres c'est une maison هذا حصان وذلك حمار. Donc cette chose, donc cet animal-là, qui est devant nous, c'est un cheval. هذا حصان وذلك حمار. Et cet animal au loin, c'est un âne. أذلك كلب؟ لا، ذلك قط. Est-ce que, donc on a vu que le alif plus le hamza, ça veut dire est-ce que en arabe. أذلك كلب؟ Donc est-ce que cet animal là-bas est un chien? لا ذلك قط. Non, cet animal est un chat. ما ذلك؟ ذلك سرير. Qu'est-ce que c'est cette chose-là? C'est un lit. Donc سرير c'est un lit. من هذا؟ ومن ذلك؟ Donc qui est cette personne-là devant nous? Et qui est cette personne autre là-bas? هذا مدرس. Donc cette personne devant nous est un enseignant. وذلك إمام et cette personne là-bas est un imam. ما ذلك ذلك حجر qu'est-ce que c'est cette chose là-bas c'est une pierre ذلك حجر donc حجر c'est une pierre en arabe. هذا سكر وذلك لبن donc cette chose là qui est devant nous c'est du sucre سكر وذلك لبن et cette chose là-bas c'est du lait. Donc تمرين donc exercice اقرأ واكتب donc lis et écris. Donc il s'agit là d'écrire donc ces phrases-là en mettant les harakat, donc les voyelles. هذا سكر وذلك لبن. Donc cette chose-là, c'est du sucre et cette chose là-bas, c'est du lait. من ذلك
ذلك إمام. Donc, qui est cette personne là-bas? C'est un imam. أذلك قط؟ Est-ce que cet animal-là est un chat? لا, ذلك كلب. Non, c'est un chien. ما هذا؟ هذا حجر. Donc, qu'est-ce que c'est cette chose-là? C'est une pierre. الكلمات الجديدة. الكلمات, c'est le pluriel de كلمة. Nous verrons plus tard que c'est la marque du pluriel, le alif, là, plus le ta, maftouha. Donc les mots nouveaux. Al-jadida, donc c'est nouveau. Imamun, donc l'imam. Hajarun, la pierre. Sukkarun, le sucre. Et labanun, le lait. كان العرب يستعملون ذلك لغايتين أيضا. Donc en fait les Arabes aussi utilisaient donc ذلك, donc اسم الإشارة للبعيد, pour exprimer deux choses, aussi pour rabaisser quelque chose ou bien pour montrer l'immensité de cette chose-là. مثلا إذا أردت أن تصف هذا الرجل ما يعني بالصفات غير جيدة. Par exemple, si tu veux énumérer donc les qualités, on va dire les défauts d'un homme, et tu veux rabaisser, tu commences à dire dhalika ar-rajul, et tu commences à donc, énumérer ses mauvais défauts, ses mauvais mauvaises ses défauts. Donc dhalika aussi pour rabaisser une chose, ou bien dhalika pour montrer en fait l'immensité de la chose. Et donc on a un exemple dans le Coran. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن الله استعمل يعني ذلك لأن الله عظم هذا الكتاب, وهذا الكتاب هو القرآن. Donc Allah en fait il a dit dans le Coran ذلك الكتاب, il n'a pas dit هذا الكتاب, il a dit ذلك pour montrer en fait l'immensité de ce livre-là qui est le Coran. Et donc ça en fait ça c'est des petites notions donc en balagha. Donc balagha c'est on va dire c'est l'étude de rhétorique l'étude de rhétorique et des figures de style. Donc vous verrez plus tard qu'en fait dans le Coran les hadiths et les Arabes à l'époque dans les poèmes donc, utilisaient beaucoup de figures de style pour justement donc on va dire donner de la beauté en fait à la parole. Et غالبا يعني طالب العلم عندما يريد أن يتعمق في دراسة اللغة العربية يدرس ثلاثة أشياء. Donc en général donc l'étudiant donc en arabe lorsqu'il veut donc avoir quelques bases en arabe il étudie en fait trois sciences. Donc ilm al-balagha donc ce que je vous ai expliqué, l'étude de rhétorique. سنحاول أن نعرف هذا العلم. Donc on va essayer de définir donc cette science-là. Donc ilm al-balagha هو علم يستطيع المتكلم من خلال دراسته أن يصل بكلامه إلى أعلى درجات البيان والوضوح والجمال والتعبير وقوة التأثير. Donc en fait العلم البلاغة donc c'est une science qui va permettre en fait à la personne qui parle à travers donc l'étude de cette science-là d'arriver donc à un certain niveau en termes donc de clarté de beauté dans la parole et dans l'expression. Et qui va lui permettre en fait d'atteindre un potentiel pour pouvoir avoir de l'influence en fait sur l'auditoire. Donc ça c'est un peu on va dire une définition générale en fait de ilm al-balagha donc de l'étude de rhétorique. Donc parmi aussi les sciences donc que l'étudiant donc prend donc c'est ilm al-nahwi. Donc ilm al-nahwi donc c'est la grammaire hein, c'est ce qu'on est en train de faire la grammaire. وعلم النحو إذا أردت أن تعرف هذا العلم تقول أن من جهتين. Donc on va essayer de définir donc cette science-là donc de deux côtés on va dire d'un point de vue linguistique لغة لغة يعني النحو يعني الشبه هو أو المثل. Donc en fait, un nahou, d'un point de vue linguistique, ça veut dire
c'est la partie le culcum en fait. Comme pour justement mettre en comparaison deux choses. تقول مثلا زيد نحو الأسد. Donc زيد c'est comme en fait le lion. والنحو يعني أيضا الجهة والناحية. Donc d'un point de vue linguistique, النحو ça veut dire aussi la direction. تقول مثلا نصلي نحو القبلة. On dit par exemple on prie en direction donc de la Qibla. ومن ناحية اصطلاحا donc d'un point de vue conventionnel نحو donc هو علم يعرف به أحكام أواخر الكلمات. Donc en fait c'est une science qui va vous permettre donc de savoir en fait on va dire les règles qui régissent en fait la terminaison des mots. Par exemple vous allez voir plus tard que si je dis par exemple Qama Zaidun, donc en fait Zaidun s'est levé, Salamtu ala Zaidin, donc j'ai salué, donc là on met ala Zaidin, pourquoi Zaidin, Zaidun, Ra'aytu Zaidan, donc toutes ces, on va dire, déclinaisons à la fin, c'est donc la grammaire qui va pouvoir, qui va vous permettre en fait de comprendre ces différentes déclinaisons. وما فائدة دراسة النحو؟ Donc c'est quoi la raison en fait, le but ultime donc d'étudier en fait la grammaire? فهم القرآن الكريم والسنة فهما صحيحا. Donc c'est pour permettre en fait de comprendre le Coran et la Sunna avec une compréhension saine, d'une compréhension saine. وحفظ اللسان من اللحن في الكلام. Ça va permettre aussi de préserver en fait la langue. De faire des fautes en fait concernant donc des fautes de grammaire. Et donc la troisième sens aussi que les étudiants en fait, en arabe donc étudient, c'est ilm al-sarf. Donc ilm al-sarf en fait c'est l'étude, on va dire la morphologie des mots. Wa aidan sanu'arrif hadha al-ilm min nahyati al-lugha. Idan lughatan الصرف يعني التحويل والتغيير. Donc en fait d'un point de vue linguistique, صرف ça veut dire le changement. تقول مثلا صرفت النقود. On dit par exemple j'ai changé donc l'argent. Lorsque vous allez en Algérie, au Maroc, pour changer les euros, vous dites صرفت النقود. Donc j'ai changé on va dire la monnaie. Et d'un point de vue donc conventionnel, istilahan, هو علم يدرس بنية الكلمات وطريقة صياغتها. Donc c'est une science qui va vous permettre en fait de comprendre en fait la construction des mots et la façon dont on les forme. Par exemple, vous verrez plus tard que grâce à cette science-là, vous allez comprendre en fait le sens de mots. Par exemple, si je dis fataha, donc c'est le verbe ouvrir, miftahun, miftahun, donc c'est la l'instrument qui va vous permettre d'ouvrir, donc c'est la clé. Par exemple, Sajadal, pour se prosterner. Sajidun, c'est la personne qui se prosterne. Masjidun, l'endroit où se prosterne. Tout ça, là, c'est le ilm sarf qui va vous permettre de comprendre en fait la construction de ces mots-là. Donc, nous allons nous contenter de ce cours-là. Donc, je vous ai fait une petite introduction concernant les différentes sciences en arabe. Inch'Allah, je vous dis à la prochaine pour un troisième cours. Subhanak Allahumma wa bihamdik, la shan wa la ilaha illa anna astaghfiruka wa natubu ilayk. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.